Nous n'avons ni définition du lanceur d'alerte, ni cohérence normative, ni sanction pénale pour entrave ou représailles à l'alerte, mais nous avons des sanctions pour la mauvaise foi ou les faits inexacts. Nous n'avons pas d'autorité indépendante de l'alerte, ni canaux sécurisés internes et externes, ni garantie de confidentialité, ni possibilité d'anonymat, pourtant prévu dans la convention dite de Mérida de 2003, et que nous sommes sans fonds ni fondation pour les victimes. Or, selon le Conseil de l'Europe et les standards internationaux, pour qu'une législation de l'alerte soit efficace, une loi unique dédiée est préférable, et le champ d'application doit inclure au minimum les violations de la loi et des droits de l'homme, mais je laisserai le Conseil de l'Europe lui-même parler. Voilà. Donc notre groupe de travail a fait la synthèse, pour la proposition de loi, a fait la synthèse des principes de transparence du Conseil de l'Europe et des meilleures lois, et rédigé une proposition de loi sur les principes suivants. Une loi unique, une définition de l'alerte centrée sur l'intérêt général, des canaux internes et externes accessibles et sécurisés, incluant confidentialité et possibilité d'anonymat, la protection contre toute représaille avec un mécanisme proche du référé conservatoire d'emploi, la protection contre toute représaille, le dédommagement intégral du préjudice, l'aménagement de la charge de la preuve, la nullité des clauses de confidentialité et la gratuité des frais de justice. Cette proposition de loi pourrait être déposée en octobre par un député, par exemple, Yann. Par ailleurs, le Premier ministre vient de confier au Conseil d'État une étude sur ce dispositif français qui devrait être rendue en fin d'année. Enfin, le ministre Michel Chauvin a annoncé en juin que la prochaine loi sur la transparence de la vie publique comprendrait un volet pour une meilleure protection des lanceurs d'alerte et que la future grande agence française anticorruption aurait dans ses missions le soutien aux lanceurs d'alerte. Souhaitons que la convergence harmonieuse de ces initiatives offre à la France une grande loi et à l'Europe une nouvelle avancée sociale. Vous connaissez la parole de Peggy, il dépend de nous que l'espérance ne manque pas dans ce monde. Je voudrais saluer l'engagement des 5 parlementaires qui ouvrent aujourd'hui ce premier débat, saluer leur engagement tant envers les personnes en difficulté qui sont accompagnées que dans le traitement sur le fond des dossiers, qu'il s'agisse de scandales environnementaux ou financiers. Enfin, je tiens à remercier particulièrement la directrice Annabella Gago et le président Christian Vigouroux qui nous font l'honneur de présider ces débats. Madame Gago est chef de l'unité contre le crime organisé à la Commission européenne, après avoir été notamment directrice de cabinet du commissaire européen à l'emploi et aux affaires sociales et chef de cabinet du commissariat européen à la fiscalité ou œuvrée au protocole de Kyoto. Monsieur Vigouroux, au magistrat et président de la section intérieure du Conseil d'État, ses travaux en matière de déontologie font référence. Il a notamment publié la déontologie des fonctions publiques et une biographie du lieutenant-colonel Picard. Je vous souhaite d'excellents travaux.